Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de Pilates. Aujourd'hui, je vous propose une séance plutôt abdominaux et renforcement du haut du corps. Cette séance, on va se mettre debout, plutôt à l'arrière de son tapis. Donc je vous laisse vous placer, les pieds bien ancrés au sol, écartez largeur du bassin, on relâche les bras le long du corps. Et tout doucement ici, vous allez venir engager votre centre. Donc vous inspirez par le nez, à l'expiration, vous rentrez votre ventre, vous venez engager le périnée. Vous inspirez le périnée engagé. Et à votre prochaine expiration, vous vous engagez au niveau des abdominaux, au niveau du transverse. Vous restez ici pour quelques respirations. On prend l'habitude vraiment de bien engager son centre. Et à votre prochaine expiration, toujours en gardant le centre engagé, on va venir tout doucement enrouler la tête, vertèbre après vertèbre. On relâche les bras jusqu'à ce qu'ils arrivent au niveau des pieds. Ici, toujours le centre engagé, on va venir marcher avec ses mains vers l'avant pour se placer ici dans une planche. Donc on descend au niveau des fessiers, on va poser les genoux au sol, on expire toujours le centre engagé, très important. On descend dans une pompe et on remonte. On tend les jambes, on vient à nouveau marcher avec ses mains vers ses pieds. Et ici, une fois que nos mains sont arrivées au niveau de nos pieds, on va venir dérouler notre dos en partant du bas, vertèbre après vertèbre. On relâche les bras le long du corps. On garde toujours son centre engagé, on va venir le refaire encore. Donc prenez une grande inspiration, à l'expiration, toujours le centre engagé, on enroule son dos, vertèbre après vertèbre. On descend progressivement, tout doucement, et on vient marcher avec ses mains sur le sol pour venir se placer ici dans une planche. Posez les genoux au sol, expirez, descendez, le centre engagé. On inspire, on remonte, on tend les jambes et on marche à nouveau vers l'arrière. Prochaine expiration, déroulez votre dos. Et on relâche les bras. Prenez le temps de bien inspirer, bien expirer, d'engager toujours au niveau de votre centre et on repart. On expire, on descend. On vient marcher avec ses mains, toujours le centre engagé, on ne le relâche pas. On descend les genoux, on expire, on descend la poitrine entre les mains, on remonte. On tend les jambes et on marche à nouveau vers l'arrière. Et déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre. On relâche. Encore une fois, et expirez, descendez. Le centre toujours engagé, on ne le relâche pas, on marche vers l'avant, on descend les genoux, on expire, on descend la poitrine entre les mains, on remonte, on tend les jambes et on marche à nouveau. Et on déroule le dos, vertèbre après vertèbre. On va juste venir redescendre une dernière fois comme ça et ensuite on va juste rester sur des pompes. Toujours le centre engagé et expirez, enroulez votre tête. Déroulez, placez-vous dans une planche, posez les genoux au sol et expirez. Toujours le centre engagé, on descend la poitrine et on remonte. Ici, on reste. On garde le centre engagé et on expire, on redescend à nouveau. On inspire, on remonte. Pressez bien les mains dans le sol. Encore deux fois, gardez le centre engagé. Et on expire, on descend. On remonte. Encore une fois, le centre engagé à votre prochaine expiration.
on descend. Et on inspire, on remonte. Et vous pouvez relâcher. On peut se mettre ici dans la posture de Balasana, comme on peut faire en yoga. On s'assoit sur les talons, ça va venir vous aider à relâcher les bras. On relâche la tête au sol. Prenez le temps de bien inspirer, bien expirer. À votre prochaine expiration, on va venir se redresser. Vous allez réengager votre centre si jamais vous l'aviez relâché. On va venir poser les avant-bras au sol. On va venir tendre une jambe puis l'autre. Donc on se place ici dans une planche. On a toujours le centre engagé. Et on va venir descendre un genou, puis l'autre. Toujours le centre engagé. Encore un genou, puis l'autre. Encore une fois, un genou et l'autre. On prend le temps d'inspirer, d'expirer profondément. Encore une fois. Encore un genou, puis l'autre. Encore deux fois, un genou, puis l'autre. Et la dernière, un genou, puis l'autre. Et relâchez tout doucement. Vous pouvez relâcher ici. Votre corps complètement au sol, descendre la tête. Et venir relâcher votre centre quelques instants. Vous prenez le temps d'inspirer et d'expirer profondément. À votre prochaine expiration, vous allez venir vous repousser, vous replacer à quatre pattes sur votre tapis. Donc on se place correctement à quatre pattes sur son tapis. On a les épaules au-dessus des mains, les genoux écartés, largeur du bassin. On vient prendre ici une grande inspiration. À l'expiration, on va venir tendre le bras droit et la jambe gauche. On essaye de garder le bassin sur la même ligne. Le pied et bien tendu, et on expire, on redescend la main et la jambe au sol. À votre prochaine expiration, la main gauche et la jambe droite, on engage bien au niveau du centre, on ne le relâche pas. On expire, on redescend. Encore de l'autre côté, inspirez. Et expirez, redescendez. À nouveau, inspirez, main gauche, jambe droite, et expirez, redescendez. Toujours le centre engagé, on ne le relâche pas. C'est ce qui va vous aider à maintenir la posture et à être le plus stable possible. Votre prochaine inspiration, main droite, jambe gauche. Et expirez, redescendez. Prochaine inspiration, main gauche, jambe droite. On expire, on redescend. Encore. Inspire, main droite, jambe gauche. Et expire, redescend. Inspire, main gauche, jambe droite. Et expire, redescend. Encore deux fois de chaque côté. Inspire, main droite, jambe gauche. Et expire, redescend. Inspire, main gauche, jambe droite, et on redescend. Main droite, jambe gauche, et expire, on relâche. On relâche les bras, on ne relâche pas le centre. On inspire toujours le centre engagé, main gauche, jambe droite, et on redescend. Et la dernière, inspire, main droite, jambe gauche, et on redescend. Relâchez à nouveau en vous asseyant sur les talons. Relâchez vos bras, relâchez votre tête.
Prenez le temps de bien inspirer, bien expirer. À votre prochaine expiration, venez vous relever, on va venir s'allonger sur le dos. On va à nouveau passer dans une pompe pour venir s'allonger. Donc on engage le périnée, on expire, on descend la poitrine et cette fois-ci on reste au sol. Vous allez venir donc relâcher vos jambes complètement au sol, plier les bras à 90 degrés. On a les mains qui arrivent à peu près au niveau de notre tête, un petit peu au-dessus. Pour relâcher votre tête au sol, vous prenez de grandes inspirations, de grandes expirations. On engage à nouveau son centre. Donc ici, on vient décoller le nombril du sol pour venir bien engager le centre. On a le ventre bien rentré. Vous allez pouvoir venir prendre une grande inspiration. À l'expiration, vous allez venir décoller vos bras, décoller le haut du corps. On essaye de ne pas contracter les fessiers. On remonte uniquement avec nos abdominaux. On inspire, on redescend. Prenez à nouveau une grande inspiration et expirez, montez. Et inspirez, descendez. Prenez une grande inspiration. Et expirez, montez. Inspirez, descendez. À nouveau, on prend une grande inspiration. On expire, on monte. Gardez bien le centre engagé. Le nombril ne doit pas toucher le sol. Inspirez, descendez. Et expirez, montez. Inspirez, descendez. Et expirez, montez, toujours le centre engagé. Inspirez, descendez. Et expirez, montez. Inspirez, descendez. Encore trois fois. Et expirez, montez. Inspirez, descendez. Vous allez sentir que ça chauffe au niveau des lombaires. Au niveau des omoplates, c'est normal, ça va bien renforcer. Et expirez, montez. Le centre toujours engagé. Inspirez, descendez. Et la dernière. Et expirez, montez. Inspirez, descendez. Venez une dernière fois vous repousser en vous asseyant sur les talons, relâchez les bras au-dessus de la tête, créez de l'espace, relâchez votre tête au sol. Et tout doucement, vous pouvez remonter. On va venir s'asseoir sur son tapis. Vous pouvez, si vous voulez, après cette séance, faire une séance de méditation, de relaxation pour venir bien relâcher tout votre corps. Cette séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine séance de Pilates. À bientôt.